ici Art de Cœur. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir le jeu Evental. Bon, là, on est à la quête de l'essai. Donc, on doit tester pour devenir un héros, quoi. Du moins, pour rejoindre le clan du Dragon Rouge. Donc, on va faire ça. Donc, on va suivre la flèche. C'est parti. Qui est donc, il faut que je... C'est comme un labyrinthe, on dirait. Ah, là, déjà, il y a un coffre, on va ouvrir. Yes! Donc, nous avons un autre armure qu'on va mettre à nos personnages. C'est parti. Équipé. Donc, l'armure. Oui, on va le mettre à celui-là parce qu'il n'en a pas. On fait par ordre d'arrivée, quoi. Donc, on va mettre comme ça. On a une arme là. Est-ce que lui, on peut lui mettre une arme? Attendez. Celui-là est niveau 4 et celui-là est niveau 1. Donc, on va prendre celui-là. Non, on peut pas lui mettre. Bon, ben, dommage. Hein, on peut pas lui mettre. C'est pas grave. Vous voyez, on a d'autres dragons qu'on pourrait placer. Mais bon, on ne va pas le faire. Donc, maintenant, on va quitter cet endroit. Donc, fermé. On va faire la petite flèche qui va bien. Et on va continuer à avancer. Ouh, c'est rouge. Cette partie-là. Mais d'abord, on va aller voir le coffre avant. Je pense qu'il vaut mieux aller voir le coffre. Donc, on a eu 5 doublons. Je sais pas comment. 500 doublons, je veux dire. Les amis, excusez-moi. Et on dirait des verres de jus de pomme ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Hein. On a une boisson, quoi. Donc, on va aller vers cette espèce de statuette bizarre. Et c'est quoi, cette statuette? Ah, d'accord, c'est un combat. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous ai expliqué le principe. Il fallait que j'aille vers des statuettes pour faire des combats, apparemment. Et il faut que j'arrive à sortir de ce labyrinthe d'essai qui s'appelle Essai. Donc, voilà. Donc, on va se faire ce combat. Attaquer tout, on va faire. D'accord, on peut pas faire attaquer tout. Fermé, hein. Alors tu te fermes. Je veux que tu te fermes. J'arrive pas à le fermer, les amis, il y a un bug. Bon, je reviens avec vous quand le bug sera terminé, alors, du coup. Ouf, ça n'a pas sauvegardé cette partie, les amis. Donc, nous revoilou, hein, après ce fameux bug. Et on va s'occuper, alors, de cette charmante statuette de rouge. C'est parti. Alors, coup intempétueux, on va faire sur celui-ci. Mais pourquoi ça me sélectionne, celui-là? J'en veux pas, celui-là. Oui, bon. Voilà. Ah, le même bug. C'est pas possible, on peut pas jouer à ce jeu, quoi. Ah, enfin! C'était pénible, hein, les amis. Hein. Alors, je vais faire coup intempétueux. Non, je veux pas regarder le tuto. Coup intempétueux. Ça y est, enfin, 502. Donc, je vous explique, c'est des espèces de bestioles, les trois qui sont devant, qui sont gris. Je ne vais pas vouloir celui-là parce que j'en ai déjà. Mais celui-là qui est derrière, qui est blanc et orange, celui-là, j'aimerais bien l'avoir, celui-là. Donc, on va essayer de l'avoir. Déjà, on va tuer les trois devant et on va essayer de le choper. Donc, on va faire multi-coup, multi-attaque si vous préférez. Lui, on va l'attaquer. Boum, 184 et un de moins. Ah d'accord, c'est qu'il y en a plusieurs en fait. Ok, ok. Donc, attaquer. On va attaquer celui-là, on va essayer de le choper quoi. 1000 dans la tronche. Ouh, ça fait mal. Attaquez-les tous. Boum. On peut pas se laisser attraper? Ah mince! Bon.
attaquer donc. Voilà. Ouh, ils font mal, hein. 1000 à chaque fois. J'aimerais bien en avoir un, comme je vous disais, mais apparemment, on ne peut pas les choper. Donc, on va pas les choper, c'est pas grave. On a... Et un de moins. Cette fois-ci, une espèce d'oiseau. Multi. Vas-y, attaque tout le monde. Ah, voilà, joli coup. Ah, bah d'accord, c'est le dernier, quoi, l'espèce d'oiseau. Donc, on va l'attaquer. Super, on passe plein, hein, parce que je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, tous ces monstres? Parce que sinon, on va pas avoir assez de monstres, hein, pour attaquer tout ça. Hein. Voilà, boum. Et il est mort. Victory! Yeah! Alors, comme d'habitude, ben, en XP, vous voyez, et tous mes dégâts, tous les trucs augmentent, quoi. Tous les monstres augmentent. Donc, on va passer à la suite. Rang gagné, niveau 11. Est-ce qu'on va en avoir un autre? Oui! On va avoir du niveau 12. Ah non, presque pas. Non, on l'a pas encore. Mais bientôt, hein. Bientôt le niveau 12, les amis. Du moins rang niveau 12. Ce doit être l'une des pierres sentinelles dont le capitaine parlait. Ok, continuons. Et ces pierres-là qui brillent, on peut pas se les choper? Non. Donc il y a un coffre, on va essayer de l'ouvrir. Hein. De l'argent. J'aimerais bien prendre ces pierres sur les murs, elles sont trop jolies. C'est sombre hein, quand même dans ce coin-là. Mais c'est beau, c'est stylé, hein. C'est joli, hein, n'empêche. Ah bah, il y en a une autre de pierre sentinelle, comme vous pouvez voir là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un coffre? Ah, on est obligé de se le faire avant de... d'avancer, quoi. Ok. Donc, coup intempestueux sur celui-là. Celui-là aussi, j'aimerais bien l'avoir. Il est trop stylé, quoi. Trop beau. Je ne l'ai pas encore. Par contre, il y en a un des trois que vous voyez, je l'ai. D'un 4, je veux dire, pas des 3, n'importe quoi. Multiple. Boum! Et c'est comme tout à l'heure, apparemment, on ne peut pas les choper, quoi. Dommage, dommage. J'aurais bien voulu avoir cette espèce de cheval. 252, et il est mort! Un ours? Oh, il est beau aussi, cet ours-là! On va l'attaquer. Boum! Ah oui, l'autre, il protège, c'est vrai. Ouh, il fait mal. Il fait mal. Alors, ravageur de garde, on va faire. C'est parti. Boum. Ouh, joli coup. 2206. Trop stylé. Ce coup-là. Donc, on va attaquer ce cher cheval. Boum, 277. On va l'empoisonner. Voilà. Boum. Force sauvage, on va faire. Allez, sur le cheval pour essayer de le finir. Boum! Oh, joli coup! 1705! 1705! Excusez-moi. Donc, multi-attaque. Boum! 398! Attaquons, attaquons, attaquons! Hein. 277! Et on va l'empoisonner. Boum. Ah, c'est qui se soigne, cet ours? D'accord. Force sauvage. Boum. Ouh, joli coup. 1765. Victory. C'est gagné. Donc, vous pouvez voir, il y en a qui sont en train de lever encore et encore. Et on passe. Rang gagné. 12. Super. Est-ce qu'on va en avoir encore un? Oui, rang gagné. 13. Est-ce qu'on va en avoir un autre? Non. Mais on progresse. Alors, nous avons une espèce de pomme. Ça, je n'ai jamais encore vu.
Je sais même pas à quoi ça sert. C'est peut-être si on est sur le moment de crever ou quoi, ben vous mangez la pomme et vous avez de la vie, peut-être, je sais pas. On va bien voir. Après, vous avez eu des runes, hein, 500 et 100 pièces. Ok. Donc, on va avancer. Attends, je vais aller par là parce que j'ai vu qu'il y a un coffre. Je vais prendre le coffre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là? Joyau personnage R. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Donc, on va regarder ce que c'est, les amis, avant d'aller plus loin. Dans unité, équipé. Voir si c'est un truc pour s'armer. Ah, j'ai une hache. J'ai pas vu. Est-ce qu'on peut lui mettre la hache à lui? Non. À quelqu'un d'autre alors? Parce qu'ils ont tous la même. Ah oui, on peut le mettre à lui, je pense. Non? Ah d'accord, on peut le mettre à cette espèce de bestiole ou à mon personnage principal. Donc on va le mettre à cette espèce de bestiole et à ça. Ah oui, c'est pareil. On va lui mettre le marteau. Et quelqu'un peut récupérer ça? Ok, bon bah. On va laisser comme ça, les amis, alors du coup. Mais lui, quand est-ce que je vais pouvoir lui mettre une attaque? Une arme, je veux dire, c'est pénible. Bon, voilà. On va fermer. Non, on va sauvegarder d'abord et on va fermer. Donc, je vois pas ce que c'est. Je regarderai ce que c'est, les amis. Et dans une prochaine vidéo, je vous dirai ça. On va faire comme ça. Alors, flèche. Donc, il m'indique par là. Mais bon, ça va être un peu compliqué. Il y a le mur, hein. Donc, je pense qu'il faut continuer par ici. Parce que, à droite, parce qu'on n'a pas été par là. Qu'est-ce que c'est? Lisette, que se passe-t-il? Pourquoi tu t'arrêtes? Il y a quelque chose là-bas. What? Qu'est-ce qu'elle a vu, elle? Quoi? Oh, où sommes-nous? Que s'est-il passé? C'est une pièce secrète. Le capitaine a bien dit que cet endroit était un vestige de l'ancien royaume. Ok. Avons-nous activé une sorte de magie ancienne? Peut-être qu'elle a réagi à ta crête. Les chevaliers ne doivent même pas savoir qu'il y a une pièce comme celle-ci. Ça ne semble pas mener à la sortie. Nous devrions avancer. Lisette, le porteur de la crête. Le pont de Montminus a commencé à se produire il y a si longtemps. Les peuples ardents le combattent depuis tant d'années. Le grand cycle. Hein? C'est comme ça qu'une des anciens de mon village appelle le pont de Montminus. C'est sûr de dire le cycle, c'est plus facile, hein? Ce pendant mon minus, c'est plus compliqué. On comprend pourquoi son ancien, là, eh ben, elle dit ça. Hein. Les larmes des enfants d'Erdan devront laver la terre de ses péchés. Tout renaîtra. Elle m'a dit que le pendant mon minus est nécessaire à l'équilibre de ce monde. C'est à la fois une épreuve
et une bénédiction accordée par les dieux. Mais le prix à payer est bien trop grand. Ma maison, mes amis, ma famille, tout ça n'est plus. Et bientôt Théo pourrait aussi. Il est tout ce que j'ai et je n'ai pas pu le protéger. Quel bien pourrait possiblement ressortir de toutes ces horreurs? Lisette? Finn? Pardon, je... Tout ce qui arrive est si... Lisette, nous ne pouvons pas laisser ceux qui ont fait ces horribles choses s'en sortir comme ça. Peut-être que nous pouvons pas faire grand-chose tout seuls. Mais ensemble, avec le capitaine Lumila et les chevaliers, nous pouvons nous battre. Trouvons un moyen de sauver Théo et mettre fin au Pandemonimus. Je sais que je n'ai pas le droit de te dire ça, mais s'il te plaît, ne perds pas espoir. Tu as raison, je ne peux pas m'effondrer alors que Théo a besoin de moi. Je dois le sauver et arrêter cette folie avant qu'elle ne se propage. Alors je vais me... Nous allons nous battre. Oui, allons-y, Lisette. Donc voilà, on a vu un discours incroyable, comme vous avez pu voir. Donc on va continuer maintenant, avancer. C'est bizarre cette histoire, à se demander si... En fait, le personnage qu'on incarne, ce ne seraient pas les ancêtres certainement du porteur de la crête, quoi. Donc, on va ouvrir le coffre qui est dans le coin, là. Apparemment, il y a un coffre. C'est parti. Alors, nous avons eu 310 pièces et une espèce de plume. Du moins, 4 espèces de plumes. Donc, on va continuer à avancer. Si on va à gauche... Ah, il y a un autre coffre, on va l'ouvrir. Dedans, on a 200 pièces et une pop-pomme. Ok, alors, on continue notre chemin. C'est vraiment un labyrinthe, hein. C'est joliment fait, mais on n'y voit pas grand-chose quand on avance. Ah, il y a un autre coffre par ici, on va y aller. Noyau d'armure R, d'accord. Si je continue comme ça, tout droit... Ah là, il y a un monstre à combattre, donc on va aller plus par ici. Avant, je veux voir ce qu'il y a autour avant d'aller à la flèche. Il y a un coffre ici, on l'ouvre. Alors, 800 pièces et une boisson. Ok. Tourne bien autour pour voir. La porte est scellée. Je crois que nous devons terminer l'essai final. Ah d'accord, il faut d'abord continuer l'essai, quoi. Avant de franchir cette porte. Sinon, c'était pas le but. D'abord, on voulait faire l'espèce de truc, là. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Lisette? Cette pierre sentinelle n'a pas la même texture que les autres. C'est peut-être le dernier essai, ça veut dire? Nous sommes proches de la sortie. Plus qu'un obstacle à franchir. Ok. Donc on a bien fait le tour. Maintenant on va aller vers cette pierre, quoi. Ok. Voilà des monstres. Celui du milieu m'intéresse bien de choper. Il m'en a déjà tué un en plus. On n'a rien fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Coup impétueux, voilà, sur le gros pas beau au milieu, ça à mon avis il va faire bien mal celui-là. Vous voyez, ça fait mal là. Multi-attaque, boum boum boum. On va attaquer encore celui du milieu. Voilà. On va l'empoisonner. Voilà. Attaquer tout. Bulle. C'est génial ça quand on attaque tout, les amis. Ils font vachement mal, hein, parce que voilà. Alors, attaquer encore celui du milieu, c'est sûr, on attaque tout en lui. Quand on peut. Parce que c'est lui le plus dur. Mangeur de poison, c'est parti. Boum, 1012.
Ce qui n'est pas mal. Attaquer. Boum, boum, boum. 120. Pas terrible. Adieu. Du moins, au revoir. Mangeur poison sur le même. Boum. 1664. Et il est mort. Nous allons attaquer celui-ci. Boum. 281. Et il est mort. Et le dernier. Flash assommante. Allez. Boum. Ok. On va l'attaquer maintenant. Boum boum boum. 120 dans la tronche. Attaquer. 281. Et il est mort. Victory, les amis. Donc, comme vous voyez, ben, ça levette de partout. Ce qui est bien. Et voilà. Maintenant, on va passer à la suite. Alors, rang 14, les amis. Génial. Est-ce qu'on va avoir un autre rang? Non, pas encore. Mais on s'en approche encore là. On a gagné pas mal de choses, hein. Je vous dis pas tout, mais voilà, comme vous voyez. On va fermer. Et maintenant, on va essayer de passer cette fameuse porte. Que j'ai vue qui était là. Donc, on va la franchir. Et qu'est-ce qui va se passer? Oh, joli décor! Un château au fond, on dirait. Et il y a Lumila. Donc, on va aller certainement lui parler. Ah, mes yeux! C'est trop lumineux ici. De l'air frais. Fine, Lisette, beau travail. Capitaine, moi, Lumila, des chevaliers du dragon rouge, reconnais le succès de Fin et de Lisette aux essais. Nous avons réussi? Tu parles avec deux combats. Vous êtes maintenant officiellement membre des chevaliers rouges et... Super, ça fait une belle jambe. Membre de mon unité opérationnelle du Pandemon Minus. Wimdam. Me voilà encore, et c'est Wimdam. Il ne peut pas dire madame, mais dire Wimdam. C'est bizarre, quoi. Je ferai de mon mieux. J'espère bien, Lisette. Ces derniers jours ont dû être difficiles pour vous deux. Ouais, c'est sûr. Et cet essai n'était que le début des épreuves qui vous attend sur le chemin. Je n'étais qu'une enfant lors du dernier pendant mon minus. Ah bon? Impuissante! Je n'ai pu rien faire pour empêcher les tragédies de se produire tout autour de moi. C'est triste. Je suis devenue chevalier pour rendre la pareille à ceux qui m'ont protégée quand je ne le pouvais pas. C'est bien. Je ne pensais pas vivre assez longtemps pour voir ce maelstrom à nouveau, mais cette fois, je me battrai. Ça, c'est clair. Parce qu'ils disent que c'est tous les 100 ans, et là, c'est quand même bizarre. 18 ans après, ben, ça y est, c'est reparti, quoi. Ça cache vraiment quelque chose de louche, quoi, cette histoire. Finn, tu auras besoin de plus que cette crête pour apporter l'espoir au peuple d'Erdan. Tu vas devoir devenir un héros qui a le courage de se dresser et se battre pour cette terre. Je m'en doutais, quoi, que j'allais devenir un héros, du moins. Moi, je dirais plus une héroïne, mais bon, dans le truc, on est un héros. Qu'on allait défendre les terres, quoi. Lisette, tu pourrais aussi devenir une lueur d'espoir dans les heures les plus sombres. Tu as affronté une grande adversité et survécu, transforme tes expériences en force. Pourquoi elle nous tourne le dos carrément, elle, maintenant? Ensemble, nous protégerons notre terre natale et ses habitants. Ensemble, nous sauverons Théo. Ok. Et ensemble, nous mettrons fin à ce pan de mon minus. Oui, madame. Donc, on a terminé ce chapitre, les amis. Et on va passer au suivant. Et on a gagné un éclat d'âme. Donc, on va continuer. Donc, les amis, comme vous avez pu voir, on est passé au chapitre 2. Mais on va s'arrêter là parce que la vidéo, elle serait trop longue. Donc, c'était Arc de Cœur. Si t'as aimé ma vidéo, mets un like ou tu peux bien t'abonner à ma chaîne.
abonne-toi à ma chaîne ou tu prendras un coup de baguette. Nox !